Yes! Mon nom est Mike Romero. On est là pour la première vidéo de 2018. Ouais, j'ai un peu changé de nom. C'est une vidéo que j'avais fait il y a à peu près 2 ans. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai arrêté alors que j'aime bien parler cinéma. Voilà. Donc, la première vidéo de l'année, ça va être simplement les 5 films que j'attends le plus en 2018. Ça sera peut-être pas les meilleurs films de 2018. Ce sera peut-être pas les films que vous attendez pour 2018. C'est sûr que moi, j'attends le plus. Vous pouvez être en désaccord. Une liste que moi, je fais n'est pas celle que vous, vous ferez nécessairement. Mais je veux partager ça avec vous. On peut en discuter dans les commentaires. Donc, voilà les 5 films que j'attends le plus en 2018. Pas classés par ordre d'importance, comme le 1 étant celui que j'attends le plus ou le numéro 5 celui que j'attends le moins. Non. Par ordre d'apparition, voilà. Au moment qu'ils vont sortir durant l'année. Number 5. The New Mutants. C'est un moment où on est dans les films de super-héros tellement enfoncés que chacun essaie d'innover. Aussitôt qu'il y en a un qui fonctionne, tout le monde essaie de le copier. Et dès que le monde commence à se tanner, ben, on recherche une autre façon de le faire. Mais The New Mutants vont dans une voie où est-ce que je m'attendais vraiment pas. Ça a presque l'air d'un film d'horreur. Donc c'est très intéressant. Je veux vraiment voir ça. C'est une prise sur les super-héros qu'on n'a pas vu jusqu'à date. J'ai vraiment hâte de voir où est-ce que ça s'en va. Et si jamais ça marche, je voudrais voir des suites, évidemment. Number 4! Bien sûr, c'est Avengers Infinity War. Mon Dieu, j'ai vu le trailer. Thanos est juste incroyable. C'est un film que je veux voir. C'est l'aboutissement de tout ce Marvel Cinematic Universe qu'on a vu depuis Iron Man 1. Donc, c'est l'aboutissement, c'est la conclusion, la première partie de la conclusion en fait. Mais c'est vraiment un film que j'attends avec impatience. Number 3. Ensuite, c'est la suite d'un film qui nous a surpris. On parle de Deadpool 2 avec Ryan Reynolds. Là maintenant, il revient, ils nous disent oh, il va y avoir Cable dessus. Tout le monde l'a cru. Et oui, il y a Cable dedans. Donc ça va être encore plus intéressant, voir quelle direction ils prennent avec ça. Je m'attends vraiment beaucoup de ce film-là. Number 2! The Incredibles 2, je sais vraiment pas à quoi m'attendre. En fait, au moment où on se parle, il y a un teaser qui est sorti, mais ils nous disent rien sur le film. Alors qu'il y a tellement de choses qui pourraient évoluer, qui pouvaient nous montrer. Incredibles 2... C'est un film pour la famille, pour tout le monde. Ça va me ramener un peu à mon adolescence. Je veux voir The Incredibles 2. Number 1! Le fan de Spider-Man en moi ressort. Et là, on parle pas nécessairement d'un film Spider-Man, mais on parle de ses rivaux méchants. On parle de Venom, le film de Venom avec Tom Hardy. Waouh! Oui, je veux voir ça. On n'a rien eu encore, quelques images ici et là, rien de concret. On nous dit que Spider-Man ne sera pas dans le film, tant mieux. Je veux voir qu'est-ce que Venom est capable de faire tout seul. Là, c'est Tom Hardy, un très bon acteur. J'ai vraiment hâte de voir ça. Mais je veux savoir, vous, dites-moi là dans les commentaires, quels sont les 5 films que vous attendez le plus cette année? Dites-moi ça dans les commentaires, faites-moi votre top 5 et qu'on puisse discuter. Dites-moi pourquoi. Donc, encore une fois, ben merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, ben moi, je vous remercie d'avoir regardé et bonne année à tout le monde. Merci encore tous d'être là. Et 2018, on va atteindre les 300 abonnés. C'est notre but. Merci encore et je vous dis ciao, à la prochaine!